Faire une proposition artistique, intime et singulière dans un quartier, le pari était osé. D'ailleurs, certains habitants manifestaient leurs doutes, leurs craintes de voir débarquer un public en déambulation, provoquer une histoire et raconter des tranches de vie. C'est tout l'enjeu de Hide and Seek. La compagnie Complex Capharnaüm a su initier les novices de ce genre de théâtre de rue par un lot d'images et de projections captées par notre caméra. Quartier de Marnier, plein soleil, tout ça, ça n'existait pas. Vous auriez mis au-dessus d'un village du Cantal un micro électronique super hyper puissant qui puisse enregistrer toutes les conversations. Ici, c'est la campagne. C'est la campagne. Même si c'est une petite ville, c'est la campagne. C'est un village. C'est agréable ici. Voilà, on a de la bonne viande, on a de la bonne eau qui sort du robinet, on a de la bonne bouffe. Franchement, même les prix, c'est pas cher. On est en Auvergne, on respire bien, pas de pollution, jamais inondé. C'est vrai que c'est vraiment bien. Peut-être. Hein. Ouais, j'ai grandi ici, moi je suis né ici. Ouais, chez mes parents, ouais. Après moi, je vais partir à Montpellier travailler avec mon frère, tranquille. Et l'autre, parce qu'on m'a calibré avec... c'est un gendarme, il m'a calibré. Donc après, tu vois plus pareil. Moi, une télé, je m'en fous. Tu vas me parler de ta Ferrari, mais je m'en fous. Il traverse la route, il va trouver du travail, monsieur. Viens avec moi, là, viens me montrer, là. Va traverser la route, viens, on va voir si tu vas travailler chez moi.
viens, moi, je vais te donner un RSA. Viens. On va voir si tu vas t'en sortir avec un RSA. Moi, je m'en fous. Je défends tous les gens, n'importe qui. Moi, beurre, blanc, jaune, rouge, vert, je m'en fous. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est que les gens, ils crèvent la dalle, qu'il y a tout ce qu'il faut pour soigner les gens, et ils le font pas. Alors, c'est tous des connards. Et voilà. Leur discours, que de la merde depuis 25 ans, pas une fois de ma vie, je voterai. Hein. Tu vois? Et ils peuvent tous aller se faire enculer. Et c'est comme ça que je parle. Bon, et maintenant, les gars, je vous aime pas, mais... Les mensonges, ouais, ça me dit quelque chose. Parce que ici, c'est Clémenceau. Ouais. Là-bas, c'est Barnier. Et Clémenceau, c'est la victime.